Le gouvernement mexicain a diffusé des vidéos sur l'évasion du baron de la drogue El Chapo. L'image de la caméra de surveillance montre Guzman en tenue beige de prisonnier. On le voit s'accroupir derrière le muret, séparant la douche du reste de sa cellule et disparaître. Ce coin de la cellule avait échappé à la vidéosurveillance. En dessous, la Commission nationale de sécurité a découvert un tunnel long d'1,5 km. On y distingue un système de rails sur lequel est fixée une moto équipée d'un bac en métal servant à transporter du matériel. Finalement, ce tunnel débouche dans un immeuble à l'extérieur de la prison de haute sécurité d'Altiplano. Une vingtaine de personnes ont été placées en garde à vue afin de déterminer si elles avaient pu aider le narcotrafiquant à s'échapper. Arrêté en 2014, El Chapo s'était déjà évadé d'une prison de haute sécurité en 2001.